السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البداية أوكي. نبدأ إن شاء الله سورة رعد، سورة 13، آيات نيميرو آيات 19. سورة رعد، سورة 13، آيات 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. Bon,
Ça, c'est quelques ayats dans Sourat Ra'ad, Sourat 13, verset 19, une page. Bon, là, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Moi, pour faire une révision toujours, moi, pour faire une révision depuis le commencement. Ensuite, nous tiennons oublié vendredi soir pour dire aux autres qu'il y en a des voix. Alors, moi, tiennons posté le Facebook, mais moi pas, parce que moi, pas de feedback assez de mon homework qui nous donnait. Et surtout, mon frère, mon soeur qui jamais été capable de courir auparavant. Alors, des abonnés qui peuvent faire des voix puis envoyer, on peut trouver que là-haut 90% peine à faute. Là-haut 90%, OK. Ça veut dire qu'il y a quelques fautes qui, durant nos explications de ce chapitre qui appelle leçon numéro 9, côté là-dedans, c'est un chapitre qui nous explique là-dedans la difficulté qui nous peut gagner quand un dimoun qui particulièrement, il peut commencer à déchiffrer la sourate. Alors, il y a une difficulté, c'est ça, une difficulté là qui nous appelle difficulties during reading or breaking surahs dans chapitre numéro 9. Et aujourd'hui, on commence la quatrième partie, Inch'Allah. Mais avant de rentrer là, nous refaisons une révision vite pour Manfred Mansur. Et Manfred Mansur peut faire un nouveau join, je pense, il y a hier, il y a avant-hier. Si je n'ai pas connu le Coran, je suis obligé de recommencer par l'introduction au Coran. Passe par session N, côté il y a deux leçons qu'il fait. Dans session 2, nous faisons 3, 4, 5, 6. Dans leçon 3, nous faisons 7, 8. Et dans leçon 4, nous commençons à faire leçon 9. Mais session N, D, 3, 4, je dis, oui, mais passe par cette session-là. Et à ce dire, il est obligé de faire des voix et il est aussi, si je peux cause avec mon frère qui est un benchmark, là, je dis, qui pas connu du tout. Man qui n'assistait depuis le commencement, les bisins à ce terrain-là, les bisins capables qu'on épelle, les bisins capables join ban mode, les bisins capables parce que simplement, ils pourraient une difficulté, qu'on ban place, qu'on pas encore expliquer how to solve these difficulties, comment pour résoudre sa man difficulté qui est là, quand nous pouvons lire le Coran, qui nous pas encore apprendre. Mais à ce du monde, ils pas encore connaître le Coran, ils vont assister les sons. S'ils n'ont pas fait des voix, ils pas casse ban sourat, il n'y a pas beaucoup de amis. S'il n'y a pas encore, là, nous arrivons aujourd'hui, cinquième session, ça vient plus que 10 jours. C'est un dimanche, tu peux prendre 3 lettres par jour, mais ça ne se pose pas, moi, tu dis, il y a bien qu'on 30 lettres, mais non, c'est 28 lettres. Alors, ça, moi, je ne vais pas interférer là-dedans. Je ne vais pas faire non rien pour un dimanche qui, s'il n'y a pas de connu le Coran, il n'y a pas pour faire des efforts, pour qu'il fasse des voix, il révise, il réécoute les sons, il gagne des difficultés, il contacte moi. C'est-à-dire, il y a une catégorie du monde, moi, je peux gagner un tracas, attention. Je n'ai pas pu écrire du tout. Ça m'a dit, non, je n'ai pas pu écrire du tout, je n'ai pas pu discaler, il y a encore PLG, il n'y a pas pu connaître. Il vient contacter moi, parce que moi, je ne connais pas. Je ne sais pas quelle situation je me trouve quand c'est du monde qui peut checker les sons, beaucoup de monde. Mais je n'ai pas pu gagner un feedback, un paramètre. Est-ce que mes hasards peuvent traverser? Est-ce que je peux comprendre? Surtout, Manjimoun qui pas te connaît. Bon. Dans les sons N, toujours. Dans nos premières leçons, nous tiens une lettre, tiens un groupe de manlettes. Tiens une lettre côté la manlette qui nous lire dans le bout de la langue. Right? Ça, trois lettres. D'accord? Ça, moi j'ai écrit un livre comme ça. Ça là, moi j'ai écrit un livre comme ça. Et ça là, ça là, moi j'ai écrit un livre comme ça. C'est même moi qui dis qu'ici là, il paraît comme un the. The. Ça veut dire ici, il y a une the. Ça c'est lettre val. Right? Ça là, c'est lettre vo. Pareil comment, ça aussi ce qui est, le même qui est qui dans the. Même TH qui dans the en anglais, ça c'est même TH. Ça c'est besoin d'un ce W. Parce que si nous pas mettre ce W, va, les bovines va. Même pareil comment TH là-haut.
Parce que tous les dix, ça délite là, zote qui est, zote machraj, et là, dans bout de la langue, tous les dix, et ça n'a là, c'est the, allazine, pas allazine, allazine, ça n'a là, zalimin, même affaire, mais c'est moi, ici, NW, zalimin, là-bas, zulala, vous, zulum, et zulum, pas pareil, zulum, c'est the, zulum, c'est « va ». Right? Ici, là, il y a « th » qui est dans sa lettre là. C'est « th » dans « think ».« Think ».« Th » qui est dans « think ». Ouais, vous connaissez, je vais trouver en bas là. OK? Ça, ce « th », c'est « th » qui est dans « think ».« Think ».« Th ».« Th ».« Thalatha ».« Thalatha ». Right? « Thalitha ».« Thuluthu ». Right? Ça, c'est « Astia », quand nous mettons voyelle avec « eux, si nous mettons voyelle, on tire sur « les », on met son là. Il y en a « fatha », il y en a « tha ».« Tha ». Il y en a « kasra », il y en a « fi ». Vous voyez, on va appeler ça en ça là. Il y en a « fi ». Il y en a « bramma ». Il y en a « sou ». Il y en a « fathatan ». Il y en a « fan ». Ça n'a pas sens du tout. Nous n'avons pas besoin de tout ça. Nous n'avons pas besoin de F. Nous n'avons pas besoin de Ous. Non. Nous avons besoin de F. Fin. Mais Kassratan, Fin. Fin. Nous mettons Dommatan, Thun. Right? Nous tirer. Nous mettons Fatha Alif. Devin Tha. Tha. Ici, nous tirer, maintenant, bien sûr, en Urdu. Le Coran en Urdu, quand il y a Khalazabar. Ce Khalazabar là, quand je peux déchiffrer Mansoura, soit je t'explique Khalazabar comment il était, ou bien je t'en viens créer, je viens créer un Zabar avec un Alif. Un Zabar avec un Alif. Khalazabar. Il est égal à Zabar avec un Alif. D'accord? Alors, si nous mettons l'envoyelle, Livin, ça, moi, tu as ça. On met l'envoyelle, deuxième l'envoyelle, Livin. Si, on met troisième l'envoyelle, Livin, sou. Clair? Ça, TH, là, il reste en place. Ça, TH, ça, là, il reste en place. Nous, ajoute, ben, son avec lui, Livin, ça, si, sou, fen, fin, thun, tha, fi, thu. Après, nous expliquons ce qu'on. Arrête là. Ça, c'est l'âme. Ça, là, là. C'est l'âme. Ça, c'est roi. Ça, c'est alif. L'âme. Mim. Ya. Nous. Arrête là. Hein? J'aurais trouvé là. Arrête là.
égal là. Non, il est trop en bas ça. Ahmed. Là, ça c'est quoi? Ça c'est mi, ça c'est là. Il n'est pas qu'à alif. Mon d'un casse par exemple, fal ya boudou. Ici, il écrit ça alif. Moi, j'ai expliqué les sons passés. Il n'est pas qu'à alif. Parce qu'Alif n'a pas ajouté un nom, un lit ajouté au lit, mais lit n'a pas ajouté un nom. Ici, il est bien avec Ya. Il n'est pas grave, Alif, il a besoin de l'âme. Arrête là. Ici, il y a une lame encore. Il y a des rois. Ça, c'est Alif, l'âme, min, nun, Ya, Ya, nun. Right. Elle est une wa, ma, ça ici là, là. Ça pas lire, ça tajdid là, ça, ça voit, tajdid là, il y a deux, on met la seconde. Quand on peut lire, c'est l'âme kasra, li. L'âme kasra, li. Quand on le voit, il prend prêter avec sa lame là, ça n'a pas rien. Il prend avec ça là, là. Il vient comme ça. Arrête là. L'âme qui sera li. Quand nous éplé, un lit qui est un soukoun ou bien jazam, nous faisons lier tous les liens ensemble. Quand éplé, nous vous dire l'âme voit kasra. Nous vous dire l'âme voit kasra. Arrête là. Réponse. L'âme kasra, li, voilà, liv, liv. Si moi dis liv, livin zal, liv, livin liv, avec un W là-dedans. Right? Vo, alif fatha, vo, livin liv, vo, l'âme kasra, li, mim kasra, ya, mi, nun fatha, na, wa, ma, liv, vo, li mi na. Ça quand un jazam un sukun le un lit les propriétaires c'est lui qui avant dit mais avant vin avant nous va vous dire vol si nous dire vol nous peut dire va fatha va après nous ajoute une lame sukun ali ici il y a lame kasra li après nous va livin liv. Nous ne pouvons pas réviser ensemble tous les deux sourates. Voilà. Ouais. Nous pouvons casser, nous montrer tout ensemble en même temps que nous pratiquons. Nous pouvons réviser Alam Tarakeino, l'Ila fait pour les Chines. Dans l'ourdou, il peut être un khalazir. En bas, l'appelé khalazir. Là où l'appelé khalazabar. En ourdou. En arabe, nous appelons ça fatha alif. Ici, là. Vous voyez comme ça. Right? Si en ourdou, ici, il
il sa lame là, il prend un bâton comme ça. Ça bâton là, quand il a un bâton, il est égal à Fatavik Ali. Right? Clear? Right. Quand nous cassa, il y a une lame cassera, Alif cassera. Moi, tu dis, ça, c'est lame Alif. Ça, je ne peux pas te dire. Pas te dire, ça, là. Right? Ça, c'est l'âme Alif, pareil comme ça, là. Même explication que je vais donner pour ça, il est égal à l'âme Alif. Si on a ce qu'on a Alif, là, il y a ce qu'on a Alif. Si on a Zizan Fatha, là, il y a Zizan Fatha. Si on a une Fatha ici aussi, il y a une Fatha ici aussi. Il est comme ça. Right? Ici, là, c'est l'âme Alif. L'âme, là, il y a ce Z. Alif, là, il y a ce Z avec un Ya avec lui. Right. Ensuite, nous l'âme Khalazabar, nous laissons Khalazabar ou bien nous écrivons comme ça. La bien laissons Khalazabar, Fi, Ka, Ra, Ya. Quand on finit Kasli, on dit qu'il y a besoin d'épeler lui. Pour les pléli, si encore peut une difficulté quand il peut pléli, s'il peut une difficulté, alors c'est qu'il est bien fait. C'est qu'il est bien fait là, il est bien répratique sur explication leçon N quand nous le montrer quand il y a une lettre avec une voyelle comment nous construire sur éplé et que sur réponse. Maintenant qu'il finit comprendre, il va bien refaire ça. Sinon, il vient réécrire. Premier là-bas. Il vient écrire l'âme kasra. Et égal à, il prend premier L, ce son, li. Right? Deuxième, il vous dit alif, ya, kasra. Parce que ça y a là, il est ensemble. Alif, ya, kasra, c'est une longue voyelle. Il vous donne nous son. Deux voyelles la même. I. Ici, l'âme Fatha Alif ou bien Khalazabar. Je prends sur L. Je mets ce son. Livine la. La livine. Li. I. La. Fa. Là, je vais tout en bas là. Right? Ici. Fa. Kasra. Il prend son premier F, il met son de Kasra, il vient une fille. Quand il peut lire, il peut venir li, i, la, fi. Ça m'a dit si un jimoun, il y a encore une difficulté. Pour lui épeler et gagner réponse quand il épeler, il vient à passer la procédure. Alors, si l'infini commence à comprendre les sons N, il comprend les sons N bien, ça veut dire les sons session N, et là, il dit cassé. Quand il finit de déchiffrer sa phrase-là, il commence à épeler bout par bout. C'est-à-dire ici, l'âme kasra li, alif ya kasra, i, l'âme, khalazabar bi fat alif, la, fa kasra, fi, qaf dhamma, qu, ra fatha ra, devine sa ya ici, deux propriétés, ra ya fatha ray, ra fatha ra, exo ya, ray, shin, kasratan, shin. Il fait li, i, la, fi, ou, rei, shin. Il finit comme lire. C'est un qui appelle lire là, ça. Nous disons, nous parlons les personnes lire. Li, la, fi, ou, rei, shin. Non. Nous les lire lettre par lettre. Quand il finit déchiffrer li, il lire lettre par lettre. Li, i, la, fi, ou, rei, Shin. Right? Nous rentrons dans la deuxième phrase. Ahmed, iftah li lila fi kulli shay'in. Le Coran.
s'arrête là. Ici, là, en arabe, le Coran arabe, comme ça, et ça, là, ça, ça. Ça, en ourdou, il veut aller comme ça. Alif, alazir. Ça, c'est un kasra avec un ya. Quand vous cassez, les bouvines. Lam, alif, fatha. Fa, kasra. Sa, ha, kasra. Rih, ra, ha, lam, vous expliquez ça, c'est ta. Ici, nous avons alif lam, nous mettons alif lam, chin, nous avons shadda, divine de, ta, alif, et là ça, nous avons ça. Right? Vous avez trop clair, hein? Right, okay. Là, comme vous pouvez appeler, alif kasra i, alif ya kasra i. Lam fatha, la. Lam alif fatha, la. Right? Fa, kasra, fi. Ha, kasra, hi. Ha, mim, kasra, him. I, la, fi, him. Ra, kasra, ri. Ra, ha, kasra. Et je vous dis, jahir. Pour dire jahir, faut dire que moi, c'est pas ha, je commence pas ra. Je vais quand même jahir. Ra kasra ri, ra ha kasra rih. Lam fatha la, ta fatha ta marbouta li pareil comme ta, ta fatha ta, rih la ta. Ici, il y a un jazam. Ça jazam là, il y a un propriété au sein là. Ça n'a pas l'anoni. Alif la pina noni. Ça veut dire, il y a un propriété avec ta. Il y a un propriété. Avec ta. Les bouvines ta, shin, fatha, tash. Shin, kasra, shi. Ta, alif, fatha, ta. Ça, c'est un mad. Quand un assassin, là, mon banque explique ça, hein? Quand un assassin, là, il peut venir une longue voyelle, ça veut dire lier sa longue voyelle là très longue. Ça, mad là. Ça, mad là, azmi là. Quand il vient l'eau, quand il peut venir, il peut venir une longue voyelle. Il faudrait une longue voyelle pour lui venir. Là, nous avons fatha alif, l'a, il vient l'eau a. Quand il vient l'eau fatha alif a, ça vient nous besoin d'y aller très long. Ta, il peut venir ta, i. Il y a Hamza ici. Hamza est égal à alif. Kasra, kasra. Quand nous pouvons lire sa phrase, rih, la, tash, shi, ta-i. Aïe, dernier bout. Ça. Wow, allez, là. Ici, soit. Quand on peut dire waw fatha wa alif lam sad. Ici, normalement, waw alif fatha wa en el lam. Et ça lam la pina noy lori, ça aussi pina noy lori. Ça sad là, en el jazam lori parce qu'il tajdid ça. Ça, c'est sad tajdid. Ça jazam là, soukoun là, il faisait pour en prêter. Il va prendre prêté avec ça, ça n'a pas de noir, ça n'a pas de noir. Il peut lire avec ça. Livin, was. Wow, fatha, wa. Wow, sod, fatha, was. Was, sod, fatha, so. Sod, ya, fatha, soy. Was, soy. F,
Fa kasra fi fi wassayfi. Phrase en entier, il vient ila fihim rihla tashita'i wassayfi. Il n'est pas wassayfi. As-sayf, c'est sable. As-sayf, c'est l'été. Un autre mot trouvé, si nous pas d'yali, comme so, les bovines, se. Quand les bovines se, les veut dire safe. Safe veut dire sable. Et safe veut dire l'été. Alors, shita veut dire l'hiver. Rihlata shita'i wassayfi. Pas wassayfi, wassayfi. La double V là. Wass. Ouais. Troisième phrase. Est-ce qu'il est clair là? C'est tout clair là? Moi, je vais garder de commentaires là. Hein? On va retrouver. Ok. Clair, c'est clair? Ouais. Ahmed, qu'est-ce qu'il y a de la souhaite? Ici. Ouais. Ça. L'âme, ça pas grave, alif. Il pas grave, alif. Qui fait, il pas grave, alif, pour un jour, qui pas qu'on arabe, pas qu'on n'y, il pas qu'on mot arabe, parce que si il tient alif, il pas grave, ajouter avec une autre lettre. Alif, une lettre ajoutée au lit, mais il pas ajouté au n'y. Dans nous laissons, premier parti. Dans chapitre 9. Fal. Ya. Ça. C'est un. Ça. C'est bas. Allez, right. Si il y a ça, un point en bas. Dis comme ça, il y a un point en bas. Dis comme ça, il y a un point en bas. Qui l'est dit capable? Dis capable, Jim. Il y a un point en bas. Dis capable qui était encore. Un seul lit. Mais soit Jim, mais pas Jim, du tout, divisé en bas. Ça oblige bas. Si il y a un, il y a un comme ça. Et il n'y a pas de choix à ajouter avec une lettre. Vous trouvez? C'est-à-dire ça, c'est bas. Ça, c'est dal. Rob. Ça. Et comme ça. Ada. Ça, et comme ça. Ça, comme ça. Aïe. Fa fatha fa, fa lam fatha fal. Ya fatha ya, ya ain fatha ya. Ya ba dhamma bu, dal wa dhamma du. Ça n'a pas pu lire. Right? Ra fatha ra, ra ba fatha, rab. Ba fatha, ba, rab. Ha alif fatha. Ha, وسخر زبر ها ذال فتحه ذال الف فتحه ذا قالوا بينن الف فابيليه ان لام جزم دي بيزا pour emprunter de pour emprunter avec ça ذال directement ça aussi une palier ça aussi une palier ذال لام فتحه ذل ها ذل با فتحه با با يا فتحه بي تا كسره تي بيتي قالوا دي اسا فازا لمين فل يا بو دو رب هذا البيت كريسكا اوكي نكونتي
ici, est-ce ça arrive là quand nous commençons, répétez non, il y quand ça arrive là, nous commençons une phrase, répétez non, il y quand nous commençons, il n'y a pas d'un verbe. Ça, c'est à ce moment-là, c'est linking words. Linking words, comme who, which en anglais. Alors, ça, quand répétez non, il y vous voulez aller comme un alif. Ça veut dire, oui. Ici là, ça, l'âme là, il me dit l'âme, elle, la, vi, op, alif fatha. Alif fatha, a, alif ta fatha, li a, op, op. Si moi je dis et, il me dit ta, et. Ici, il y en a, op, ta. Right? J'ai besoin de get back tous les sons sukun ici alif fatha si moi play li alif ta fatha alif fatha a voilà nous pensons au commencement divin up up divin up ain fatha a moi pas important pour moi la prononciation ain ain fatha a Mim fatama, ha dhammahu, ha mim dhammahum. Sa mim là, c'est mim shadda. C'est là, mim shadda. Ça veut dire, sa mim là, pas peut lire. C'est sa mim là, qui peut jouer avec ça. Yivin ha mim dhammahum. Ma kasra mi, ma nun kasra, min, jim, waw, dhamma. Ju, ain, kasratan, in. Yivin. الذي ان المد لا انت مد كما صار لي با باري كما لوت لا لا لي با باري لوت لا لا لي ويفين ذا سيم وورد لي تي كما صار اي صار دان سيل وورد يتي ici لي ان دي وورد هايت لا سو مد يي ان بي بلي تشي تشي كي سا غرو لا سانا لا نو لي لي 4 La balade, il y a les 6. Sama. 6. Sama. Ici, alladhi. 4. Right? Après ça, 4 syllabes, 4 harakat. Mais quand nous faisons mad, on peut plus rentrer en détail. Et un mad ici, un timad. Levin, alladhi. At. At. A. Ma. Hum. Min. Ju'in. Right? What is here? Sa'ala, the Quran Urdu, il est khalazabar là. Même ça fait alif khalazabar. Li a ici alif fatha alif a ma na hu hum saina di mim la min khawf ait la normalement si mon père commence li là ça mot parce qu'il commence en phrase là mais par contre si mon mélange li Il y a la fa là pour mélanger avec sa wa là, il y a une fi ou. Mais nous ne pouvons pas lire là. Wa a ma na hum. Sa hum là, là. Ça n'a pas lire. Ça n'a pas lire. Ça n'a pas prêté avec ici. Hum. Mam. Mim kasra mi. Mim nun kasra min. Min. Kha fatha kha. Kha. Waw fatha khaw. Kha. Waw fatha.
Right? On prend sa khala, fatha, kha, ou alors là on met ce W, nivin, khaw. Right? Khaw. Fin. Right là? Je cave, si j'étais dans le Coran devant eux, vous pouvez y aller une coupe pour eux là devant le Coran, ou verset Coran. Right? Pareil? Allez. Bismillahir Rahmanir Rahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ça c'est l'Ilaf et Qurayshin. Et nous donne l'occasion, mon frère, pour faire des voix à Ra'ayt al-Lavi, cassé bout par bout. Pareil. Là, nous parlons le mot notes. Nous dans les sons porte 4, passe 12. Passe 12, ban qui est la dernière version. Nous dans passe 12. Pas fait non, ban qui est la dernière version. Dans leçon 9. Leçon 9, part 4. Leçon 9, part 4. Right? Right. Là, nous pouvons expliquer un affaire qui s'appelle Hamzatul Wasl avec Hamzatul Qat. Dans l'imprimerie Coran arabe, je vous trouve un alif espèce un tissoir d'orile. Ou bien, un alif avec un hamza. Right? Ça viendra par nous. Right? Dans part 4, vous pouvez expliquer part 4. Right? Part 4. Nous pouvons expliquer une affaire appel alif et un petit sort d'eau là. Ou bien un alif, soit pour un petit hamza là-haut ou bien en bas. Ça, nous appelons ça hamza al-wasl. Ça là, on appelle ça hamza al-qat. Nous pas besoin de prendre ce nom pour écrire. Dans l'imprimerie ourdou, dans l'imprimerie ourdou, l'eau arrive là, pas pour une année, il peut vite comme ça. L'eau s'en alla, il peut se voyer là. Il peut se voyer là. Soit pour une fatha, soit pour une kasra, normalement. Right? Dans l'imprimerie arabe, s'en alla, il peut un petit sod, comme ça là. Et ça, il peut y avoir soit Hamza là ou soit en bas. Ce qui est Hamza là, 100%, il y a chaque fois. Par exemple, dans l'île à Fekoreshin, dans At'amahum, là, je vous trouve un Hamza là. 100%, il y a At'amahum. Par contre, ça n'a pas dit, dans l'ourdou, il n'y a pas d'ourdou. Dans l'ourdou, il n'y a pas d'ourdou. Qui peut arriver quand il commence, on peut dire comme fatha, c'est ce qu'on expliquait dans notes, commencement, on peut dire comme fatha, et s'il ne dit pas commencement, il peut lire avec l'aide qui peut venir ici. Si il y a un waouh là, il n'y a pas pour lire. Si il y a un
Right? Quand nous pour lire, ça a dit là déjà pas lire pendant une heure. Parce qu'il fait parce qu'il besoin propriété à cause ça l'âme là besoin propriété. Ça l'âme là pour propriété OK, il prend avec fa parce qu'il y a là aussi pendant une heure. Les une fa l'âme, alors là il pas lire. Quand il au milieu, il pas lire. Par contre, quand il commence une phrase, il lit avec fatha. Right là? Clear? Get dans sourate Al-Ham, je vous trouvez par exemple, nous faites faire là, dans l'Ilaf et Qurayshin, dans At'amahum, dans le Coran en arabe, vous montrez ce qui est le Coran en arabe, vous montrez ce. Alladhi At'amahum. Je trouve le Alif At'amahum et le Hamza l'Oli. Et le Alladhi qui existe avant lui, il y a un petit sort d'Oli. Alladhi. Aïe là. Nous vous servir simple comme l'exemple pour nous expliquer sa part faux là. Aïe là. Quand on trouve ça dans le Coran, cette histoire là, ça veut dire, appelle ça Hamza Tulwas, ça veut dire continuer. Là, quand nous voulons dire, il commence une phrase, nous mettons Fatha l'Oli. Alladhi. Par contre, s'il n'y pas commence une phrase, pas lié ça à l'Ifla. Par contre, ça n'a pas dit, tu vois, il y a un Hamza à cause pour montrer qu'il s'en a appelé ça Hamza Tulqab, il y a dit 100%, il y a prononcé bien. Là, par exemple, Rihlata Shita. I, wassaif, vous entendez bien. Vous entendez sur Alif Kasra I. Chita. Right? Bon, vous entendez bien. Kop. Vous êtes coupé, tant ce son bien. I. Chita. I, wassaif. Pareil comme ça. Alladhi at'amahum. Vous entendez ça. Alla, vous entendez. Parce qu'il dit Hamza al-Qat. Quand il vient au milieu, il vient à la fin, il prononce sa alif-là. Par contre, sa alif-là, quand il commence, nous l'y allons avec Zabar, Alladhi, et quand il dit au milieu une phrase, il ne dit pas lui. Quand il dit au milieu un mot, au milieu une phrase, il ne dit pas lui. Right, ça? Ça, c'est pour toi. Right. Astia, note numéro 5, je pourrais marquer qui, comme dans le Wadduha, Astia, là, dans le Coran arabe, إلى فيهم جيت ساسي والضحى هاي سا وتي ديا Il paraît comme un ya. C'est moi quand il peine à voir l'oli, et à la fin, il appelle ça un alif maqsoura. Il appelle ça un alif maqsoura. Je ne vais pas envie de prendre ce nom. Alors là, il peut agir comme alif. Alors là, il paraît comme un ha, wa, bu, ha. Right? Pareil comme ça, même en ourdou, je vais donner un ultapesh. Un ultapesh, en arabe, il n'y a pas besoin de le taper. Si vous prenez un chihuahua là, avec ce pêche là-haut, avec ce dhamma là-haut. Mais dhamma, waouh, ça, il paraît comme un ha, dhamma, waouh, hu. Pareil comme dans ila, fihim, en ouldou, il faut prendre un khalazer. Mais ça khalazer là, il paraît comme un zer avec ya, i. Dans ouldou, il faut prendre un khalazabar loha. Khalazabar, il paraît comme un fatha alif. Elle est fatha alif. Khalazir, kasraya. Sa kasraya. Sanala, un petit dhamma. Il n'est pas pour gros, il est pour petit en bas là. Mais il mange avec dhamma. Il paraît comme un ha, dhamma, wow, hu. Clair? Clair là? Right? Ok. Passe 13. Numéro 6.
Note numéro 6, je vais expliquer. Part 6, je vais expliquer concernant. Ça. Right, là. Ça, c'est Sad, Lam, Alif. Moi, tu dis, ça, c'est Lam, Alif. Moi, je vais expliquer. Ça, c'est Lam, Wa, Si. Et en soukoun, vous êtes en soukoun. Et en fatha, vous êtes en fatha. Si pena n'a rien, vous êtes en Lam, Alif, fatha. Voilà. Ça, c'est une difficulté qui nous a fait face. Alors, nous comprenons qui. Ça est égal à l'âme alif et ça aussi est égal à l'âme alif. Clair? De façon écrire, il est pas différent, mais il est égal à l'âme plus alif. À cette dépense, cette situation, il est arrivé dans ça, ça n'a rien à ça, il est arrivé dans ça, il vient là, et il est arrivé dans ça avec ça, là, il vient l'âme fatha là, alif fatha. La e. Right? Clear? Moi, je finis explique. Sept, moi, tu dis ça, nous dis comme ça. Après ça, ta marbouta. Après ça, ta marbouta. Ça, après ça, ta maftouha. Pas besoin de t'apprendre ma nom à ce là. C'est mon seul que je vous apprends quand je trouve ça, il y a pareil comme un temps. D'accord? Mais seulement quand il y a à la fin un mot. Et nous pas pour lire, il y a ha. Ça, quand nous faisons waqf, quand nous faisons comment arrêter, là, nous pouvons apprendre qui s'attend à marbouta là, quand arrêter le li, il y a ha. Pareil comment? Dans Azan, Hayya ala salah. Ça dit comme ça, ça. As-salah. Ça qui est là-bas. Hayya ala salah. Je peux le dire comme ha. Comme on a arrêté. Mais normalement, si je peux continuer, je peux dire hayya ala salati. Hayya ala salati. Je peux le dire comme ta. Comme on continue. Comme on arrête le holi, il vient ha. Mais la loi, arrêter, ça qu'on appelle le waqf, ça après, Inch'Allah. Ça c'est part 7. Part 8, mad. Dans part 8, je vous trouve une décalité mad. Un grand comme ça, un petit petit comme ça. Ça petit petit là, tout le temps, il bouvine entre deux mots. Quand? Quand il y a une longue voyelle suivie de alif ou bien waouh ou bien ya. Par exemple. Ça, c'est fille. Une longue voyelle. Suivi d'un alif, c'est là pour une mad d'eau fille. Un petit dessin. Ça, nous lui a dit quatre syllabes. 1, 2, 3, 4. Écoutez. La قد كان في إبراهيم. في إبراهيم. Nous ne pouvons pas dire. La قد كان في إبراهيم. Non. Ça, ça petit madla, right? Ça madla nous a dit quatre syllabes. Fi Ibrahim. Par contre, ça grand là dit tout le temps, de bouvine within one word, à l'intérieur un seul mot. Par exemple, quand nous cassons ça, waouh, lam, alif, alif, lam, bod, bod, alif, lam, ya, nun. Right? Ici.
Ilam. Wa salala li bouli avec sa doad là. Parce que qui fait? Capable longtemps, si tu peux demander une autre question, qui fait une walad doalin, une talent inécrit, nous peut dire walad doalin. Parce que sa doad là, il y a deux doad. Ça vient d'un jazam. Sa jazam a visa propriété. Mais le lam, il y a non. Il y a alif, il y a non. Il y a sa alif là, il y a non. Quand il vous propriété, il propriété avec sa lam ici là. Il y a une lam fatale là. Lam doad fatale. Lab. Ba alif fatale. Ba. Et un mad. Il y a une. Ba. Cinq gros mad. Nous voulons aller six. Et quand il finit faire son mad, le lam là. Et un. Tajdid, ça veut dire jazam, les poitas c'est que ça mède là, à la fin qui nous finit, fait nous mède. Écoute, les bien sûr. Ghayril maghdoubi alayhim waladdallin. Et là, quand on finit, fait nous mède, on prend premier lame, et là, deuxième lame, il vient lin. Mède, clair? Grand là, 6, harakat. Rihlat al-shita. والصيف وقلت الذي أطعمهم من جوع هذا مد et tout le temps man mad là quand il grand là les bouvines dans un seul word et petit mad là les bouvines en d quand il a une longue voyelle suivie de alif right ou bien longue voyelle les caves fatha alif Dhamma, waw, ou bien kasraya. Raït Lamed, page numéro 14. Est-ce qu'il est clair jusqu'à là? Il est fini, il est vert, right? Vous parlez jusqu'à là, parce que numéro, allez, recensez le point là. Right. Nous faisons ça dernier point là, dans les sons numéro 9. Et là, Inch'Allah, lundi, nous faisons les sons, mercredi, nous faisons les sons 10, Inch'Allah. Right. Nous commençons à faire prononciation. Clair là? Dans nos notes, c'est un exemple à peine. Hein? Aïe ça. Mime. Quand on nous dit, quand on a pour donner prêter, moi tu dis, laissons passer, quand fathatan, kasratan, bommatan, donne prêter, ça veut dire une lettre qui a déjà prend prêter, Oli, fathatan, vin fatha, kasratan, vin kasra, bommatan, vin bomma. Quand on dit donne prêter, ça veut dire qu'une lettre peut prendre prêter, Oli, nous vous dites ta, mim, kasratan, tim, on dit nous peut dire kasra. Pas kasratan. Ne pas vous dire tim avec mime. Comment vous me faire? Il n'est pas capable. Alors, sa mime là, il vous prend prêter avec ta. Il y en a kasratan, nous pouvons aller comme kasra. Sa note là, pina dans ce, vous pouvez ajouter le piton chan. Right. Dernier point, concernant un verbe. Il y a un verbe dans le langage arabe. Quand nous commençons par un verbe qui est dans forme de command, command, dans forme de command, dans Alham. Dans le Coran arabe, il met un sort d'eau là. C'est moi ça, c'est pas un nom, c'est un verbe. Qui la loi est là quand un verbe qui dans forme, dans tense, command, il est dans command tense, faire l'amr, quand il vient commencement une phrase, nous vous trouvez un alif, comment nous voulions ça alif là? Par exemple là. Si nous pour commencer par lui. Si nous payons pour commencer par lui, vu qu'il y a un Hamzatul Wasal en sort, si nous l'y allons avec sa mot qui vient avant là, bien là, nous n'avons pas de problème parce que pas pour l'y aller là. Ça a là pour comprendre avec nous. Les bouines, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, uhdina s-sira, uhdina s-sira. Parce qu'il y en a nous. Right là? Par contre, si moi pour commencer par lui, dans le Coran, Urdu, nous n'avons pas besoin d'apprendre ça à la loi là, parce qu'il est fini de mettre un kasra là pour lui.
L'infini met un castradi. Mais si un démon il trappe un Coran arabe, comment il peut connaître si pan il peine un Coran ourdou, mais comment pour dire ça à l'ifla là? Moi, bien commencer là. Par exemple, ici. Ça, c'est Hamzatul Wasl. Peine un aïe l'audi. Comment vous commencez? Nous guettons. Le deuxième, par contre, Alif là, get le deuxième lettre qui est là. Si le deuxième lettre est là, Fatha, ou bien il y a Kasra, nous nous pouvons dire Kasra. Créé sur la loi? Si dans le deuxième lettre, il y a Kasra, nous pouvons dire Kasra. Si il y a Fatha, nous pouvons dire comme Fatha. Mais si il y a Dhamma, nous pouvons dire comme Dhamma. Si il y a Dhamma, nous pouvons dire comme Dhamma. C'est ça que je vais expliquer dans mon notes. Ici, nous pouvons dire Uktub. Uktub. Il fait parce qu'il y a une deuxième lettre et un Dhamma, vous pouvez dire comme Dhamma, Alif là. Ici, il y a Kasra, vous pouvez dire comme Kasra. Et si il y a Fatha aussi, vous pouvez dire comme Kasra. Par exemple, right? Ici, il y a Fatha, comment vous pouvez dire ça, Alif là? Comme Kasra. If'al. Vous pouvez dire af'al. Il y a Fatha, le deuxième lettre verbe. Si ça arrive là, pas compté. Première lettre, deuxième lettre, il y a Fatha. Moi, je dis comme Kasra. Ici, il y a Kasra. Moi, je dis comme Kasra. Il y a des situations. Quand il y a un verbe, comme commencement une phrase dans les temps de command, quand il y a une command là-dedans, là, ça alif là, il y a un Hamzatul Wasl, pas lié tous les temps. Alors, quand il y a un commence par lire, nous guettons le deuxième lettre dans le verbe là. Si il y a Fatha ou bien Kasra, nous voulons dire comme Kasra. Et si il y a Dhamma, nous voulons dire comme Dhamma. Alors ici, nous voulons dire If al ma tu'mar, sa tajiduni inshallah min as-sabirin. Ici, nous voulons dire Ihdina surat al-mustaqim. Ici, nous voulons dire Uktub. Clair? Right? Aujourd'hui, là, mon essai, mon fini explique tout ban difficulté. Ce qui m'a imaginé, quand on quitte quelque chose, si m'a imaginé, pour expliquer quand nous gagnons durant nos leçons, quand nous regagnons une difficulté qui peut être expliquée, je vous explique sur la loi, comme ça, nous avons suivi. D'accord? Allez, ouvrez cette leçon Coran, Inch'Allah, pour nous terminer. Là, on termine, leçon 9, nous pourrons, Inch'Allah, mercredi, dans prononce ban lettre Asté. Asté, nous pouvons cause prononciation. Arrête là. Tout clair, jusqu'à l'air. Est-ce qu'il est clair, mon frère, mon soeur? C'est moi, j'ai besoin de réviser cette leçon. Saban qui vous peut expliquer, là, il peut y avoir une affaire avec connier, pas connier, là. Ça, c'est juste quelques abnormalités quand un monde peut déchiffrer mon sourat. Par contre, s'il n'y a pas de épée même, il n'y a pas de lettre même, il y a besoin de continuer de travailler pour y apprendre sur mon lettre et y apprendre comment construire une lettre avec mon voyelle et comment ajouter une lettre qui est en soukoun et tachdid là, il y a des affaires faciles. On peut dire par 7. On peut dire par 7 dans le Coran. Qul nahbitu minha jami'a. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا سيزو بيجد القرآن جد بتقول والذين إن واو بس ألف لا إن انتصاد لوري لاو سي القرآن أغلب سي أردو بابنا ناين لوري سألف لين كيف الحمزة الوصل تبدي لا نبليا بك واو يبقى prononcé بس اللي تي commencement pas تينا واو نتش بودي الذي m'aurait commencé. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى
فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون Si je prends un évangile, je te carrégue depuis là-haut, et il y a beaucoup l'exemple de sa timad qui nous fait comprendre là, et que l'on mad. Je vais vous trouver, Yabani, et un timad là. Ça, il y a quatre. Yabani, Isra, ni gros. Israël. Ati. Après. Encore. Partout, il y a Timad là. Il y a Timad même ici là. Partout, il y a Timad. D'accord? Claire? C'est une petite question? Bien travail. Nous, l'objectif, quand dernier leçon, je peux lire Coran comme ça. Ça, c'est l'objectif. Je peux lire Coran comme ça. Et ça, si je ne finis qu'on. Déchiffrer un mot, je ne connais azutli, je ne connais éplé, je ne connais gain sur réponse, mais c'est un Coran en entier. Entier Coran, c'est ça. C'est mélange mon mot, mon lettre avec mon voyelle, créer mon mot, après créer mon phrase. C'est pour ça qu'il me fait ça, des voix de déchiffrer pour mon dieu qui pas encore connu le Coran. Mon dieu qui connaît le Coran, qui a envie de corriger votre lecture, à partir, leçon lundi, Inch'Allah, bien de l'Azawajan. Là, mercredi, c'est-à-dire, nous commençons cause prononciation. Ensuite, quand nous finissons cause prononciation, nous causons une affaire qui appelle Rodna. Ensuite, quand finit Rodna, là, nous expliquons une affaire qui appelle quand nous arrêtons dans le Coran, comment nous arrêtons dans le Coran. Clair? Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من frère qui enjoy leçon. Après, j'ai besoin de go back. Bonne fini,
Bon, puis envoyer ça dans le groupe. Quand je suis dans le groupe, je vais gagner son, je vais finir classé. Là, je pourrais ajouter les sons, session 5. Et le Facebook, le mot passe, cause je vais les autres posts. Alors, les sons, on va le parler hier. Moi, habitué, réamener un update. Moi, envoyer les sons là devant encore pour vous gagner directement quand je rentre dans nos pages. Et Inch'Allah, introduction, je finis update le YouTube. Et ben qui je peux trouver dans l'adresse YouTube. Enregistrez-le sur YouTube, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.